Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un compte PlayStation en 2 minutes sans email valide. Donc pour cela c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de PlayStation officiel. Une fois que tout est chargé, cliquez sur connexion. Bien évidemment on va pas se connecter, on va s'inscrire. Ensuite cliquez sur créer un nouveau compte, se situe ici. Et là vous faites démarrer. Donc là, pour l'idée de connexion, vous allez marquer ce que vous voulez. Donc, enfin, ce que vous voulez, votre pseudo, peu importe l'email, choisissez. Bien sûr, un truc que personne pourrait connaître, bien évidemment, c'est-à-dire votre pseudo avec une lettre, par exemple. Mais, bien évidemment, il suffit de marquer @yobmail.com. Yobmail.com, en fait, c'est un site où vous recevrez tous les emails que vous voulez sans avoir l'adresse, enfin, sans avoir le mot de passe, donc vous pouvez la créer en 2 minutes. Donc, ensuite, vous marquez votre mot de passe que bien sûr vous allez bien retenir parce que sinon il faudra retenir votre date de naissance, mais en tout cas n'oubliez pas le @yobmail.com, c'est une email temporaire. Ensuite vous marquez votre date de naissance, enfin peu importe si c'est votre vraie date de naissance, mais essayez de la noter dans un coin au cas où parce qu'elle peut toujours servir. Donc voilà. Donc ensuite, bon, la ville, etc., vous faites ce que vous voulez. Normalement, vous pouvez marquer n'importe quoi. Je sais que c'est pas très, très, très correct, mais reste pour mon tuto, donc je vais pas dévoiler, etc., ma ville, etc. Donc là, vous choisissez votre header ligne. Donc, comme vous voulez, écoutez, vous choisissez ce que vous souhaitez. Ensuite, qu'est-ce que je peux marquer? Peu importe. Hop, voilà, ça... Vous êtes normalement pas obligé, mais je vous conseille quand même de mettre votre identité. Et donc voilà. Donc là, vous allez dans aller. Et là, vous faites simplement le captcha. Et là, vous allez dans aller. Et ensuite, accepter et créer un compte. Et là, normalement, il faudra confirmer votre adresse mail. Et là, c'est très simple. L'email de vérification est envoyé à mon adresse. Donc, vous devez vous rendre sur yobmail.com. Donc, je vous ai envoyé le lien dans la description. Vous allez tomber sur ce site. Vous avez juste à rentrer ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire ce qu'il y a avant le @yobmail.com, et vous faites vérifier les mails. Ensuite, là, on peut voir qu'il y a eu d'autres personnes qui l'ont utilisé, mais pas forcément pour PlayStation Network. Mais évidemment, après, si vous connaissez votre mot de passe et votre date de naissance, voilà. Donc là, vous faites vérifier maintenant. Et donc voilà, vous avez votre compte PSN, donc sans avoir eu forcément d'email valide. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. N'hésitez pas à le partager, lâcher un petit pouce bleu et donner des conseils, etc. pour améliorer mes vidéos. Bon bref, c'était Wolfix, à plus tout le monde.